Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte de parc d'attractions. Aujourd'hui deux parcs créés par mes modérateurs, tiens un gros big up à vous, Roros et Aurélien. Et on commence tout de suite avec celui de Roros, Roros le boss, wouh. Oh en plus c'est fluide, on est dans le Far West mon pote. L'entrée du parc elle est ici, on est parti pour découvrir. Oh ça va être bien sympa, l'ambiance me plaît. Parce que j'ai jamais fait de parc d'attractions, j'ai jamais utilisé ce terrain là sur Planet Coaster, donc c'est bien sympa. On est parti pour rentrer dans le parc les amis, on suit la marche. Oh on a une allée à gauche. Alors attends parce qu'il y a des allées un peu partout. Ok ça c'est pour les employés. Ok ça c'est pour, ok donc là c'est les backstage. Ok donc ici c'est vraiment pour les employés. Elle aurait pu mettre un petit panneau pour dire de ne pas y aller, puisque du coup j'y suis allé comme un connard. Par ici on a, ouh, on a un petit terrain pour pique-niquer, pour manger un petit peu. Oh, ouh. Attention monsieur, n'appuyez pas là-dessus hein. Voilà, c'est bien séparé en tout cas, au moins personne se mange à la gueule. Très bien, très bien, très bien. Ouh, on peut voir déjà un petit coaster ici. Ouh, ça me plaît ça. Ça donne envie là, tu vois. Là ça donne envie, on a une pharmacie ici je pense. Je crois que c'est les petits soins, c'est ça. Et là les toilettes. Ah dommage que ce soit pas indiqué, même si j'ai reconnu mais c'est pas indiqué. Oh les petits détails, regardez. Petit escalier. Un petit escalier qui mène à une fenêtre. On a de quoi grignoter un petit coup. Très bien, les petits détails par ici. Sympa. Sympa, sympa. Coaster. Ça c'est la sortie là. La sortie du coaster, très bien. La petite vue sur le coaster. Faudrait juste rajouter pour le RP, je vais faire genre hein. Mais juste rajouter une petite barrière pour pas qu'on puisse passer dans la vraie vie quoi. Parce que c'est un peu dangereux. Ok bah on va rentrer. Saloon. Ah non c'est une sortie. What? Ah mais je suis débile en fait, l'entrée est bel et bien là. Je suis complètement con. Alors, la petite file d'attente. Oh attendez parce que il y a quelques petits Là on est vraiment dans le Far West. Ça fait plaisir. Donc en fait visiblement c'est qu'un seul coaster si j'ai bien compris. Ce qui est plutôt pas mal. Polo. Ouh, ça va être sympa. Ouh, ça va être sympa. Je sens que ça va être sympa. Roros, il a pas fait les choses à moitié. La petite file d'attente. Bien sympa. Et on arrive. Et on arrive et on va pouvoir faire un petit tour. Oh, bâtiment bien fait, hein. Let's go. Ouais. Oh, la cascade. Et le lift. C'est parti. Je crois qu'il y en a qu'un seul, peut-être. De ce que j'ai cru voir, je pense qu'il n'y en a qu'un seul. C'est pas un manège qui se retourne ça je crois hein. Je ne sais plus, je ne sais pas. Les petits décors. Oh loulouloulouloulou. Ouh ça va valser. Oh, ouh ça va swinguer. Ouh ça va swinguer mon pote. Let's go. Oh. Oh c'est top ça. Oh ça c'est top. Wesh. Wouhou. Ah ouais frérot. Wouhou. Ah oui. Le train qui déraille. 20 sur 20. Et là on se calme, ça sent la fin. Oh là là, c'est incroyable. Ah oui, non mais alors là je valide à 100%. Alors là je valide à 100%. Et c'est très objectif hein, c'est pas parce que c'est mon modérateur hein. Incroyable. Non mais attendez, c'est incroyable. Voyons voir ça un petit peu, prenons un peu de hauteur. Donc c'est bel et bien qu'un seul coaster. Mais il s'est gavé de ouf. On est bien d'accord, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Mais là les puristes de coaster, je crois que vous avez pas grand chose à dire je pense hein. C'était ultra fluide, ultra... Non mais c'est super bien fait. J'ai kiffé de ouf.
des petits détails par-ci par-là, enfin des petits décors qui font bien plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je valide à 100%. Allez, on continue avec Natura Park. Cette fois-ci, le parc d'attractions de Aurélien. Aurélien, à qui on avait déjà visité son tout premier parc d'attractions, où il n'avait pas fait grand-chose en réalité de lui-même, mais c'était sympa, mais il n'avait pas fait grand-chose de lui-même. Je vous invite à aller voir la vidéo là en haut à droite, si vous ne l'avez pas encore vu. Mais en tout cas là, apparemment, il a fait beaucoup de choses. Ouais, après, quand je le vois sur Steam, frère, il joue autant d'heures que moi. Ok. Ouh, il nous met déjà sur une très belle vue. Où est l'entrée? Oh. Il a un problème avec les arbres hein, quand même, Aurélien. L'entrée est là-bas. Il y a trop d'arbres, mec. Incroyable. Bienvenue à Natura Park. On va mettre le jeu en pause parce que sur les parcs d'Aurélien, à chaque fois, c'est la galère. Mais il y a beaucoup de monde, donc c'est parfait. Voyons voir qu'avons-nous là. Oh, une petite montgolfière. Bah écoutez, on va rentrer. Bonjour. Non, j'ai envie de rentrer par le milieu. Voilà, j'ai envie de faire comme les grands. Voilà, je rentre par le milieu. Wouh ! Ah oui ! Ouh. On est pas mal, on a un petit truc de spectacle sur la droite. Oh, c'est bien sympa, dis donc. C'est bien sympa, dites-moi, faudra voir la nuit. Là, ici, c'est pour les employés. Oh, mais il a pas fait le bâtiment pour les employés. Il a réutilisé le modèle... Oh, il y a un trou. Aurélien. Oh, alors ça, mec, ça me fait flipper. Hein. Ça me fait flipper. Ok, là, il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir, le chief beef. Voilà, donc si tu veux manger du bœuf, tu prends du bœuf, tu te retournes, tu te casses la gueule dans les racines, tu fais tomber ton hamburger et tu dois en racheter un nouveau. Eh, hey, Aurélien, le business, il est fort. Hein. Oh, un petit coin pique-nique. Ah, là, c'est sympa aussi, là. Hop, là, tu peux faire ton show. Là, t'as une petite vue sur de l'eau et des bambous. Ok. Entrée, premier manège. Premier manège, une tour infernale. Un coaster, le Tropico. Eh bien écoutez, on va rentrer dans le Tropico. On va faire la file d'attente. Ok. Oh, là on est vraiment dans... On est vraiment dans la jungle. Ok. On est carrément dans la jungle. Et on arrive. Ah, c'est pas un coaster, c'est un petit tour de bateau. Ah, il aurait pu le mettre à niveau de l'eau avec l'autre type de... Il y a un autre type de bateau et c'est à rail et tu peux mettre dans l'eau. Voilà. Je dis pas ça parce que j'ai fait ça dans mon parc. Hein. Vous verrez ça. Ok, là on passe dans... Ouh. Ah, là voilà. Là on sent qu'il s'est un petit peu fait plaisir, Aurélien. Là. On sent qu'il s'est fait un petit peu plaisir. Voilà, le petit tour en bateau. Ouh là, le serpent, il fait peur. Très bien. Très très bien. Et la sortie par ici. Voilà. Très bien. Alors, il n'y a qu'une seule allée principale, j'ai l'impression. Dans ce parc, il y a une allée centrale. Ah non, il y a une allée à droite aussi. Donc, visiblement, il y a deux allées principales. Et après, ça doit se dispatcher par là-bas. Ok. Et ben, c'est parti, voyons voir. On va continuer sur la même allée. Ça me plaît, ces petits détails. J'espère que c'est toi qui as tout fait. Hein. Ah, voilà un coaster. Parfait, ça. Les chaises volantes. Et ben, voilà. Et ben, voilà, il vient d'habiller des... Il vient d'habiller la file d'attente. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool. Il n'a pas tout fini encore. Et donc là, l'entrée du coaster juste ici. Très bien. Un petit bâtiment de type classique, mais efficace. Hein. Efficace, efficace. Pas de lumière. Pas de lumière. Donc ça, à la nuit, je ne pense pas que ça marche. On dirait un coaster d'enfant. C'est un coaster pour les enfants Ah oui, c'est pas le même que ce coaster-là. Attention tout de même. C'est pas le même. Ah oui, oui, d'accord. Donc ça, c'est un petit coaster pour enfants. Parfait. Oula. C'est normal ça? Allez, c'est parti! On a l'autre coaster juste à côté qui a l'air épique par contre. Let's fucking go! Wouh! J'avais pas vu que ça allait vite comme ça. Oh la vache! Ça va super vite! On se détend très lentement hein, pour le coup. On est dans les arbres. Je viens de récupérer une pomme. Il est arrivé vite sur les roues quand même. Hein. Ça y est, je commence à faire le puriste coaster, tu sais. Non, non. Ouh, on a une petite vue là sur les autres manèges. Oh, ça me plaît ça.
mon pote, je pense que je serais éjecté du manège. Je pense que j'aurais été éjecté du manège. Ben bien bien. Après il faut savoir les gars, et c'est ça ce qui est sympa, et je suis content de voir le parc d'Aurélien là. Bah faut savoir que, bah souvenez-vous, la première vidéo qu'il nous a montré son parc, bah les coasters c'était pas lui qui les faisait quoi. Donc là maintenant il est passé au cap où il les fait, et donc c'est plutôt sympa quoi. Ah, le retour des bûches. Est-ce que c'est mieux fait que l'autre fois? Bonne question, on va voir. On va rentrer. Déjà on a les bûches juste au-dessus de nous. C'est amusant. Allez c'est parti. Oh, alors là ça donne envie. C'est très... Ah là c'est top. Regardez. Là c'est top. Je m'appelle Catherine et je suis avec mon enfant Timothée qui est juste devant moi. Ok. Ça commence bien. Timothée a l'air heureux. Il y a des particules d'eau de partout. Mais je suis débile, il est trop fort. J'avais complètement zappé ça. C'est quelque chose qu'on peut... Bah oui, mais c'est un truc classique à faire pour les bûches. J'ai même pas fait ça sur mon propre parc. De rajouter plein de particules de flotte là partout. Je suis débile. Bah c'est une bonne idée. Très très bonne idée Aurélien. Wouh, regardez le coaster qui nous attend là-bas. Oh là là, ça m'excite. Allez, une petite montée toute petite. Je vois les jambes de Catherine. Ok, Timothée, accroche-toi. Wouh, Timothée. Timothée, tu t'es noyé. Ouais, bah oui, bah heureusement que... Bon, bref, pas de blague. Bonjour. Oh, une montgolfière. Voilà, c'est... Alors, oui, bon. Forcément, on est sur l'extrémité du parc. Un petit peu moins décoré, visiblement. Ça va, Timothée? Arrête de m'éclabousser. Timothée, garde les mains dans le bateau. Dans la bûche. Oh, putain. Oh, putain. Wow, on perd pas de temps. Wow. Wouhouhou. Magnifique. Eh, c'est trop bien, faites la queue. Il y a un embouteillage par contre mon pote. Un embouteillage de bateau. Ouais. Alors on continue sur cette allée centrale donc. Je suis toujours sur la même si je dis pas de bêtises. Et là on a déjà un changement d'ambiance radical. On est en mode futuriste par ici. L'entrée est par ici. Très bien. Oh là là, la queue. Ouh. Ah bien la file d'attente. Très très bien la file d'attente. Oui monsieur. C'est ici qu'on fabrique les Tesla. Voilà. Bien bien bien. Bien bien bien. Ah oui oui oui. Là je valide Aurélien. C'est cool. Bonjour. Qu'est-ce que ce coaster? Ah, c'est le même que celui que j'ai fait Lost in Space, je crois, non? Avec la montée bien verticale comme ça. Et normalement la descente bah bien verticale aussi quoi, même à l'envers. OK. Ah, c'est ça. Wow. Wow. Oh là là, c'est long. Oh là là, c'est long. Est-ce que vous avez kiffé? Ah, la fin était sympa là. La fin était sympa. Alors beau. Pas mal brutal, je vous m'en dirai des nouvelles hein, ceux qui jugent, mais vous direz ce que vous en pensez. Un peu brutal, mais ça m'a fait des sensations. J'ai senti un truc au zizi, donc c'est que ça a marché. Nous avons l'allée à gauche, où on a quasi tout fait. On a l'allée à droite. L'allée à droite qui fait plus jungle aventure. Ok. Bien sympa ça. Parfait, petit bâtiment là. Donc la tour infernale sur la gauche. Wild Expedition. Ouh. Ouh. Ouh, la file d'attente. Alors là mon pote, hop, on prend le prioritaire. Voilà, ça ça me plaît ça. Ça c'est de la file d'attente. Bonjour, ah oui vous avez fait une longue queue vous hein. Ouh. Oh mec. Oh ça m'excite, c'est un petit train. Ok. Bah let's go. Petite musique d'aventure.
J'espère que c'est pas copyright. Sinon je suis dans la merde. Oh. Oh. Oh le crocodile. Oh le crocodile. Le crocodile on l'a vu. Il y a des scorpions géants qui se battent. Ouh. Oh la vache. Eh c'est brutal ça. Eh mais calme-toi. C'est un petit train quand même, c'est pas un... C'est pas un grand 8. Oh la vache. Oh la vache. Wow. Wow. Bon pareil hein, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, alors je vais pas parler du coaster en lui-même parce que c'est pas mon préféré du coup. Mais j'en ai perdu ma voix, j'ai failli crever trois fois. Mais niveau décor c'est sympa. Et ça me plaît l'ambiance. L'ambiance qui se dégage d'ici, ça m'excite. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh attendez, là parce que là je suis en train de m'envoler trop loin là. Alors on est rentré par là. On continue par ici et on a là un petit endroit pour pique-niquer visiblement. Ici on peut manger. Sauf que là si on va là on meurt. Mais attends mais c'est complètement fou de faire ça. Mais y a rien. Mais attendez mais c'est... Mais Aurélien pourquoi tu fais des choses comme ça? C'est-à-dire que là il y a une chance sur deux de mourir et... Mais c'est quoi le concept? Ouais ça... Oui bah j'avais bien compris que c'était un décor et qu'on pouvait pas y aller. Mais le problème c'est que t'as mis des escaliers pour y aller. Mais on va mourir si on va là. Il faut mettre des barrières Aurélien pour les visiteurs. Ah ouais par contre ils sont en forme ici hein. Ah ils sont en forme hein. C'est dangereux. C'est dangereux. Ok qu'avons-nous là? Infernal. Entrée. Bah ça c'est le ouais c'est ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bonjour madame. Coquillage et crustacé. Voilà. Des toilettes. Qu'avons-nous là? Ah ça rejoint à la première allée qu'on connaît déjà donc. Là on a une sortie. Nouvelle zone prochainement. Ah c'est pour ça que ça manque de décor. Voilà tout s'explique. Et là on a un petit avion Ace Sky que je ne connais même pas. J'ai jamais utilisé ça sur Planet Coaster. Je suis dégoûté. C'est incroyable. C'est des trucs de luge ça non? Genre comme à Europa Park. Je sais même pas comment ça s'appelle. Où est l'entrée? Elle est là. Bem. Oh. Oh. Ça fait flipper ouais. Ouais c'est les luges comme dans... Enfin j'appelle ça les luges mais c'est comme Europa Park là quand t'es lâché là. On est parti. Ça va être la folie mec. On est arrivé au moment fatidique. On est parti en roue libre. C'est parti. Ouais c'est trop stylé. C'est à dire que si tu fais mal le truc à tout moment tu t'envoles. Ou pas. Ok. What? Mais frère. What? Mais c'est quoi ces histoires? Mais c'est pas possible. Oh non t'as mis le lift trop tôt là. Ah non 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 frérot. Non non là par contre moi je critique jamais. Enfin toujours constructivement et parce que je suis pas le meilleur. Mais là par contre c'était pas bon là. What? Ouh. Et par contre niveau sensation ça y va hein. Mais what? C'est pas normal ça. Voilà ça c'est... Oh là oh là. Ouh, what? Mais là tu finis dans les arbres. Non mais là c'est trop. What? Non mais là je te connais toi. Attends what? C'est pas normal ce qu'on vient de vivre. Attendez je veux voir un truc en pleine action là. Là c'est normal. Ok. Et là frère. Regardez bien. Mais ça c'est pas normal ça si. C'est pas censé se passer comme ça. On est bien d'accord. Alors si ça se passe comme ça autant pour moi hein, je ne connais pas mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît relativement bizarre Aurélien. Mais ça se trouve je suis une grosse merde et je m'en excuse. Mais à part ça très sympa l'ambiance qui se dégage. Moi j'aime beaucoup. Pour des premiers coasters c'est vraiment cool.
Et puis voilà quoi, surtout celui qui m'a fait kiffer malgré sa brutalité, c'est celui-là. Celui-là, tu t'es. Voilà, celui-là il m'a fait plaisir. Celui-là il m'a fait très plaisir.